Bonjour, je me promène au jardin. Les choses, elles ont repoussé. Comment ça s'appelle encore les fleurs bizarres, là? Comment on appelle? J'ai un trou de mémoire. Les capucines, elles ont repoussé. Les altices, elles sont parties se coucher. Ouais, ouais. Il n'y en a plus des altices, elles sont en train de dormir dans la terre. Voilà, je trouve un remède pour les envoyer bouler, celles-là, mais un truc naturel. Enfin bref, ou sinon je les laisse et puis elles nous feront encore de la misère. Il faut compter qu'il n'y ait pas de canicule, comme ça les altices ne vont pas sortir de la terre. Bon, on est en train de récolter un peu de tomates. Il y en a une tomate Saint-Pierre. Ah ouais, il y en a comme des tomates qui ressemblent à des tomates de Crimée, des tomates un peu noires, des marrons là, mais sauf que l'autre côté c'est rose. C'est des tomates roses croisées avec je sais pas quoi. Il y en a des tomates qui commencent à s'abîmer, t'as vu, ça le cœur de bœuf. Tu connais le cœur de bœuf? Ça, c'est très gros cœur de bœuf. Ah, ça, j'ai des tomates qui viennent tomber, t'as vu les tomates qui viennent tomber? Oh là là, c'est encore des tomates roses. C'est l'apprenti qui amène des tomates. L'apprenti, elle s'annonce, c'est l'apprenti qui amène des tomates. Elle peut dire, je suis l'apprenti, bonjour, j'amène des tomates. Non, elle dit, oh, c'est l'apprenti qui amène des tomates. Elle n'a pas de nom, l'apprenti. Non, elle n'a pas de nom. Bon, enfin bref, regarde ça, c'est pas la beauté ça. On ne savait même pas ce que ça allait sortir comme ça. Il y a des trucs comme ça qui sont sortis, c'est des tomates. Regarde ça, c'est mystique. Et c'est très bon, on dirait des beaux, tu manges des bonbons. Oh, c'est beau. Ah non, non, franchement, moi je suis très content. La petite marmande, elle est belle aussi. Ok, encore tomate Saint-Pierre tout petit. Celle-là, on va pas tarder à la manger parce qu'elle a pas de... Elle a pas de queue. On n'a pas eu la queue. Celle-là non plus, on n'a pas eu la queue. En tout cas, ça, quand tu mets ça dans une salade, tu es bien content. Je suis désolé. J'aurais bien épargné le bruit du train, mais là, c'est pas possible. J'habite vraiment derrière la voie ferrée. Tous les trains qui partent pour la Suisse, c'est passé à côté de moi. Ouais, mais là, il y a deux trains en plus qui passent en même temps. Ah ben, on est gâté, hein. Ça fait du bruit. Hein. Je suis vraiment désolé. Hein. Je vais pas te rembourser, mais le cœur y est, hein, tu sais. Bon, ben, c'est pas tout. Moi, je te fais des gros bisous. T'as vu un petit peu la récolte, comment ça se passe, hein. Ben, regarde aussi, j'en avais un... Un couteau avec un manche carré, j'ai pris, du papier de verre et puis un cutter et j'ai retaillé le tout et j'ai fait un couteau de mon style, tu vois. Ça, c'est les couteaux des offices, les manches sont un peu carrées. Et ben, DIY, et ben, j'ai fait ça moi-même, tu vois. J'ai fait ça moi-même et on a fait un petit trou pour mettre la ficelle. C'est marrant. Maintenant, elle n'a plus du tout la même tête. Tu dirais que, il l'a acheté comme ça, mais on ne l'a pas acheté comme ça. C'est moi qui l'ai transformé. D'un manche qui était un peu rectangulaire, carré, sur les côtés, tout ça. Bah, j'ai fait un manche qui est ovale, comme un suppositoire à peu près. Tu vois? C'est marrant. Il est beau. Moi, je l'aime bien. En tout cas, je suis amoureux de mon couteau. Et la ficelle des cuisines, tu vois? Tu prends la ficelle dans la cuisine, tu es tranquille. Voilà, et j'ai fait deux stries comme ça pour qu'on... C'est ma marque de fabrique. Bon, je te fais un gros bisou. Je te dis à bientôt. Toi aussi, tu peux transformer des couteaux. Allez, salut.